Alors bonjour déjà, je vais commencer par vous diffuser un extrait, je ne vous dis pas ce que c'est pour l'instant, et puis je vais ponctuer d'ailleurs mon propos par ce même extrait qui émergera comme ça, hein. Je vais le laisser défiler finalement, je vais couper le son et puis il va émerger à différents moments au long de la conférence. Alors, je voudrais placer mon propos là entre deux dates. Deux dates séparées d'un an, très exactement. Et plus précisément, je voudrais placer ce que je vais vous dire dans la tension entre ces deux dates. Dans l'antre de ces deux dates, et on va le voir, l'antre justement va avoir son importance ici. Donc, deux balises temporelles. Alors, tout d'abord, juin 1967. Qui est la date de publication de Sextet, The Tiger's Man, donc la composition de Cornelius Cardew, publiée dans le Musical Times, et qui est dédiée au groupe d'improvisation avec lequel il travaillait à l'époque, AML. C'est dédié à un groupe d'improvisation initialement. Et deuxième date, un an plus tard, juin 1968, qui est la date d'enregistrement de la performance dont on vient d'écouter un extrait, à savoir une improvisation d'AML à The Crypt, dans laquelle on retrouve d'ailleurs Cardew. Alors, il ne s'agit pas véritablement d'un sextet, hein, puisque Tiger's Man n'était pas composé pour six individus, six performeurs,
Alors, il ne s'agit pas vraiment d'un sextet, puisque là, à AMM, à cette époque-là, ils étaient cinq. On retrouvait Eddie Prévost, Christopher Hobbs, Chris Rowe, Cornelius Cardew et Lou Gehrig. Mais d'une certaine manière, on a quand même affaire ici, dans ce qu'on vient d'entendre, à un sextet, dans cette improvisation, car pour AMM, et ça c'est quelque chose sur lequel insiste souvent le guitariste Chris Rowe, le groupe est à comprendre comme N plus 1, si vous voulez. C'est-à-dire que le groupe est un membre à part entière, mais invisible, un membre à part entière de l'ensemble. Dès lors, 5 plus 1 égale 6. Alors, cette improvisation a été intitulée après coup, c'est le nom qu'on donne, que les musiciens donnent au moment de la publication sur disque, aux extraits qu'ils isolent comme ça, pour faire des pièces. Cette improvisation s'intitule « Like a cloud hanging in the sky », comme un nuage suspendu dans le ciel. Alors peut-être s'agit-il là d'une métaphore, même du collectif, ce nuage suspendu dans le ciel, de la création collective en tant que telle. Et donc, en jouant sur la tension entre ces deux balises, je vais m'intéresser à la création collective, essayant de voir finalement qu'est-ce que c'est qu'une création collective, du moins dans ce contexte, ou dans ces deux contextes, comment fonctionne-t-elle? Alors, d'abord, je fais un bref rappel, peut-être parce que tout le monde ne connaît pas exactement le groupe AMM, et puis même peut-être la partition, même si c'était l'objet de toute cette semaine. Alors, d'abord AMM, c'est un groupe anglais formé au milieu des années 60. C'est l'un des premiers groupes de ce qu'on appelle l'improvisation libre, c'est-à-dire des individus qui se réunissent et qui vont s'évertuer à produire une musique collective, improvisée, sans aucun support pour la création, sinon le collectif lui-même, c'est-à-dire les relations qui s'y jouent. Donc, au départ, on trouve Eddie Prévost, Lou Gehrig, Laurence Schiff et Chris Rowe dans ce collectif. Et très rapidement, la création collective va être essentielle dans l'activité de ce groupe. Et même plus que la création collective en tant que telle, c'est même au début la création d'un collectif qui intéresse ces musiciens. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui déborde à cette époque-là l'improvisation. Là, je reprends quelque chose de plus général que dit Diedrich Dierichen sur l'improvisation, où il rappelle combien il faut toujours garder à l'esprit que le collectif agit à la fois comme préalable et comme but dans la création. C'est-à-dire aussi, d'une certaine manière, comment les enjeux sociaux rivalisent avec les enjeux musicaux. Donc là, chez AMM, la relation tissée entre les individus et le collectif, loin de s'opposer de manière antagoniste, tend au contraire à favoriser, au sein même de la pratique de l'improvisation, l'épanouissement et même l'émancipation des individus. Ça, c'est quelque chose que remarque avec justesse John Tilbury, qui a beaucoup écrit sur Cardew et aussi sur AMM, pour avoir été membre à partir des années 80. On nous dit pour AMM, c'est en vertu et non en dépit du collectivisme que ces individualités pouvaient se développer et s'épanouir. Alors, ce collectif, va très rapidement s'ajouter Cornelius Cardew. Après quelques mois, Cornelius Cardew intervient dans ce groupe et lui, il a un tout autre background, à la fois musical et social. Et d'ailleurs, ça ne va pas être sans tension. Dans l'équilibre qu'il pouvait y avoir dans ce collectif au moment de l'arrivée de Cardew. Pourquoi ? Tout simplement, le background musical, ces musiciens sont pour l'essentiel des musiciens autodidactes, qui viennent du jazz pour certains, d'autres sont à l'époque étudiants en école de beaux-arts, et ils ne sont pas vraiment au fait de toute la recherche, de toute l'expérimentation qui se mène à cette époque-là en Europe et aux États-Unis notamment. Et Cardew, lui, un peu plus vieux que certains, mais pas beaucoup, a déjà, à ce moment-là, au milieu des années 60, un certain passé. Il a été étudiant, assistant de Stockhausen. Il a beaucoup fait pour la découverte de la musique de Cage et au-delà de l'école de New York en Angleterre.
Donc il arrive avec une certaine aura, si vous voulez, qui impressionne ses musiciens, hein, qui ne connaissent pas Cage, qui ne connaissent pas du tout ça, donc ils sont un petit peu sur la défensive, d'une certaine manière. Et puis, à côté de cette différence, finalement, dans le background musical, il y a aussi la différence sociale. C'est que Cardew, lui, vient d'un milieu plutôt classe moyenne, mais classe moyenne supérieure, et ça joue, et ça joue, ça participe, bien entendu, ça explique en partie son parcours, hein, parcours dans l'institution musicale en tant qu'étudiant, et à la Royal School of Music, Royal Academy of Music, et à côté de ça, les autres membres d'AMM, eux, viennent plutôt du milieu populaire, du milieu ouvrier, hein, ils sont obligés de travailler à côté pour faire leurs études. L'un travaille dans une imprimerie, l'autre travaille en tant que docker. Donc là, c'est pas du tout le même milieu social, si vous voulez. Et ça, bien entendu, ça va jouer, hein, parce que ça n'est jamais simplement de musique ou d'art, mais toujours ancré dans le social. Et notamment, ce qui va, les tensions à l'œuvre au tout début de l'arrivée de Cardew dans ce collectif AMM, eh bien, ça va être finalement la crainte de l'émergence d'une figure de leader que pourrait représenter Cardew. Et ça, tous les musiciens en sont extrêmement conscients, Cardew lui-même. Hein, et dans le premier disque qu'ils vont publier, qui est un enregistrement qui date de 1966, hein, ils le mettent en exergue à travers. Alors, dans le livret de ce disque, AMM Music, il y a une série d'aphorismes hein, comme ça. Et dans un de ces aphorismes, ils pointent. Cette difficulté, cette crainte qu'ils ont de l'apparition d'une figure de leader. Je vous lis la traduction de cet aphorisme, qui est d'ailleurs formulé comme une question, donc il n'y a pas de réponse là, vraiment. Donc, la direction du groupe ou son autorité dépend-elle de la force d'une personnalité meneuse, dont l'ascension ou la chute est reflétée dans l'image projetée? Ou bien la réunion d'un ensemble d'états d'esprit signifie-t-elle le développement d'une autre autorité indépendante de tous les membres, tout en étant constituée d'eux-mêmes, là, le collectif. Donc déjà, là, on trouve cette pensée, finalement, comme comment le collectif serait un membre à part entière du groupe. Hein, il se surajoute au groupe. Alors, en dépit de ces conflits qu'il peut y avoir au début d'AMM, c'est néanmoins... précisément à travers ce groupe, à travers AMM, que Cardew découvre et s'implique véritablement dans une création, on pourrait dire, pleinement collective, hein, au sens où il abandonne en partie, durant un court laps de temps, son statut de compositeur. Et d'ailleurs, ça va avoir aussi un impact, hein, cette rencontre avec ces musiciens, ça va avoir un impact sur une partition colossale qu'il achève à ce moment-là, qu'il utilise, où finalement le sens final qu'il va donner à cette partition est directement influencé, découle hein, de son expérience au sein de ce collectif. Mais en même temps, c'est toujours un abandon, quand je disais en partie, hein, qui n'est jamais total, puisque finalement, quand on regarde des œuvres, hein, Cardew ne va jamais véritablement... Il réduit l'intensité de composition, mais il ne va jamais arrêter complètement la composition durant cette période-là. Et notamment, à peine a-t-il terminé Tweeties, qu'il compose The Tiger's Mind, qu'il dédie donc aux membres de ce collectif. D'ailleurs, on peut observer des glissements intéressants là, entre Tweeties et Tiger's Mind, glissements qu'il remarque d'ailleurs lui-même dans un essai, un important essai que Cardew a écrit, qui s'appelle « Towards an Ethic of Improvisation », qu'on trouve à la fin du Tweeties Handbook, hein, une espèce de faux manuel publié en 1971 à propos de cette pièce mystérieuse qu'est Tweeties. Et donc, il place une filiation entre Tweeties et Tiger's Mind où il nous dit que, finalement, ce qui l'intéressait dans Tweeties, in fine, c'était l'ouverture au n'importe qui. Hein, c'est-à-dire l'extension du collectif, ne plus écrire pour des musiciens qui vont interpréter une partition, mais écrire aussi pour des personnes qui ne savent pas lire, et notamment par le graphisme. Hein, et au contraire, justement, pour déjouer tous les automatismes, toutes les conventions, tout l'apprentissage hein, qu'ont les musiciens de formation et qui leur empêche d'aller, qui les empêche d'une certaine manière, selon Cardew, d'aller là où il veut les emmener dans l'expérimentation. Mais là, il a l'impression, avec le Tiger's Mind, d'étendre encore ce collectif, puisqu'il ne s'agit même plus d'avoir des personnes qui seraient sensibles à la lecture graphique,
mais comme il le dit, d'avoir simplement des personnes qui sachent lire l'anglais et qui souhaitent se prêter au jeu. Donc là, on est dans une partition, en effet, en prose, quoi, où la seule capacité nécessaire pour pouvoir interpréter cette pièce, finalement, c'est de savoir lire. Donc il n'y a même plus l'abstraction graphique, si vous voulez, qu'il y avait dans Treatise. Et puis, autre parallèle qu'on peut tracer entre Treatise et Tiger's Mind, c'est que Cardew tâche de produire une composition, là encore, qui ne soit pas prescriptive. Il n'indique pas les sons qui doivent être joués, ce qu'on trouvait déjà dans Treatise. Donc ça, il faut remettre en même temps dans le contexte de composition 67, qui sont aussi la période où Christian Wolff compose ses pièces en prose. Christian Wolff qui va avoir une influence et un impact assez important sur Cardew, notamment dans cette direction assez courte dans l'œuvre de Cardew. Alors cette partition, au moment où la compose Cardew, se veut, en tout cas c'était son intention initiale, se veut un guide, entre guillemets, pour l'improvisation. Mais là, ça va poser problème, et ça va être finalement la première performance de cette pièce, et notamment au sein d'AMM, vont être plutôt un échec au moment de sa création. Donc, première performance est en décembre 67, donc là on est à mi-chemin entre mes deux dates, entre la composition de Tiger's Mind et puis l'enregistrement dont on a écouté un extrait. Échec, pourquoi échec? Parce que les musiciens d'AMM ne pensent pas avoir besoin d'une telle pièce pour improviser collectivement. Donc ça, c'est notamment Élie Prévost qui le dit très clairement à propos des différentes tentatives de Cardew de rallier AMM à certains projets compositionnels. Il nous dit la notion même de jeu dirigé au sein d'AMM, aussi floue soit cette direction, la notion même de jeu dirigé au sein d'AMM est une évidente contradiction. Où on retrouve aussi ça dans les propos de Casuo, que rapporte d'ailleurs Cardew, là une nouvelle fois dans Towards an Ethic of Improvisation, où Cardew relate qu'il a une fois proposé à Casuo d'interpréter une pièce de la Montaigu, une de ses premières pièces conceptuelles de 1960, trace une ligne et suit là, et en prétextant que de se confronter à un matériau comme celui-ci, ça permettrait d'aller ailleurs dans l'improvisation, de sortir des habitudes, par exemple, ce genre de choses. Et Cazero répond à Cardew qu'il n'en voit pas l'intérêt, parce que finalement, Trasunin et celui-là, il le dit comme ça, j'ai deux pieds, j'ai deux mains, j'ai une tête, et puis on est plusieurs comme ça, et ça suffit largement. On n'a pas besoin d'avoir quelques... Disons, le collectif lui-même va nous amener ailleurs. On n'a pas besoin, si vous voulez, d'un objet... tierce pour ouvrir le possible au sein de la création collective. Pourquoi ces musiciens pensent qu'ils n'en ont pas besoin? Bien, tout simplement parce que pour eux, finalement, s'assujettir à une telle composition, aussi riche soit-elle dans ses possibles, n'aboutirait finalement qu'à la réification de leur création collective. Alors, ces remarques des membres d'AMM sont tout à fait légitimes, mais bien entendu, l'intérêt de cette pièce dépasse également largement ces seules remarques, puisque sa réification, il s'agit bien de ça, dès qu'on compose, sa réification est aussi la possibilité même, dans son interprétation, d'emmener les interprètes ailleurs. C'est-à-dire, en somme, la réification, c'est ce qu'a bien montré Benjamin, c'est la réification, c'est ce qui aussi autorise l'appropriation. Et ça, c'est un point qui a intéressé particulièrement Cardew dans l'acte de composition, cette tension-là. C'est pas du tout quelque chose qui nie, au contraire, ça traverse toute son œuvre, et notamment dans Treatise, puisque comment il considère cette pièce en tant qu'objet, il nous dit, cette pièce, c'est ma musique, mais faites votre musique. Faites votre musique qui sera la réponse à ma musique. Donc là, il s'agit bien d'un processus d'appropriation. Alors, cette pièce, Tiger's Mind, se présente un peu
comme un jeu de rôle, comme un scénario, où, ça c'est ce que remarque de manière pertinente Michael Pearson, où Cardew tâcherait finalement d'étudier les relations possibles à l'œuvre dans le jeu de l'improvisation libre. Et en effet, quand on regarde la partition, on a différents protagonistes. Donc Cardew fait le portrait. La partition, c'est quoi? C'est finalement la déclinaison de ces portraits avec deux situations. Donc, six protagonistes. On a Amy. Alors, Amy, peut-être que c'est petit à Amy. On a Amy, le tigre, l'arbre, le vent, le cercle et l'esprit. Et ces différents protagonistes, eh bien, il en propose des agencements dans deux scènes, deux rencontres, si vous voulez, deux situations qui les impliquent, l'une diurne et l'autre nocturne. Et finalement, là, alors, vraiment résumé très rapidement, mais ce sont les seules indications de la partition que donne Cardew, avec quelques remarques néanmoins importantes sur l'interprétation, notamment l'importance de la mémoire, à apprendre son rôle. Alors, je ne rentre pas plus dans les détails de la pièce pour l'instant, je pourrais y revenir, mais retenons déjà, pour ce qui va suivre, l'importance du jeu sur les relations elles-mêmes à l'œuvre dans le collectif. Moins les individus que les relations tissées entre ces individus. Alors, je voudrais, avant de poursuivre, quand même, resituer rapidement cette pièce dans son contexte, c'est-à-dire au regard de l'œuvre de Cardew. Et l'intérêt pour les relations à l'œuvre dans un collectif, c'est quelque chose finalement qui va mûrir, hein, qui va gagner en intensité durant toutes les années 60 et même les années 70 chez ce compositeur. Même on peut remarquer cet intérêt poindre hein, dès la fin des années 50, où on retrouve les prémices d'une réflexion, mais d'une réflexion critique sur la création collective, notamment avec sa collaboration avec Stockhausen, hein, des textes comme ça très intéressants à lire où Cardew relate combien il souffre hein, des rapports hiérarchiques qu'il peut y avoir, d'expropriation de la création d'un rapport au maître dans sa collaboration avec Stockhausen. Et puis en même temps, toujours cette pensée très dialectique hein, de Cardew, comment il semble aussi que c'est un tremplin d'une certaine manière, hein, c'est un tremplin pour lui. Donc là, il y a déjà. Dès la fin des années 50, c'est des petites notes, hein, des petits articles, et bien déjà, dès lors que Cardew s'intéresse à ce que peut représenter une création à plusieurs, et bien il pointe les enjeux sociaux et notamment les relations de pouvoir à l'œuvre dans ces relations. Ensuite, cet intérêt pour le collectif va s'étendre avec ces pièces indéterminées du tout début des années 60, où là c'est plus l'influence de Stockhausen, mais plutôt l'influence de John Cage, hein, qui l'a découvert en Allemagne. Mais en même temps, c'est différent de John Cage, au sens où, finalement, l'interprète chez John Cage ne doit pas intervenir en tant qu'individu, si vous voulez, tandis que chez Cardew, au contraire, l'indétermination, eh bien, c'est ce qui va s'épanouir dans Politis, hein, l'indétermination... Ce n'est pas tant le retrait de l'individu, c'est au contraire le fait de pointer la responsabilité de l'individu. Alors, donc ça, c'est les premières pièces du début des années 60. Puis on a Treaties, pour un nombre indéfini de personnes hein, qui se trouvent réunies autour d'un objet qui a un ensemble de signes, un ensemble de graphiques, hein, sans sens, aucun sens. Les graphiques n'ont pas de sens. Et ce qui les réunit, ce qui dès lors réunit les individus ici, eh bien, ce sont finalement les usages culturels qui les traversent en profondeur. Ensuite, donc, il y a toujours dans cette intensité grandissante du rapport au collectif, il y a sa collaboration avec AMM, puis les deux petites pièces en prose, hein, Tiger's Man, la première, et puis aussi les Day School et Night School de Sitting in the Dark, puis l'immense, fin des années 60, l'immense partition The Great Learning, où là, il semblerait que Cardew passe en revue, hein, à travers ces sept paragraphes, la plupart des formes de création collective, hein, où il s'intéresse aussi bien à l'indépendance des individus au sein d'un collectif qu'à l'unisson. D'ailleurs, si on étudie la pièce dans le détail, on se rend compte que ça penche quand même sensiblement vers l'unisson, en passant aussi par l'influence des joueurs entre eux. Et là, de nouveau... On ressent l'influence des
des prospices de Christian Wolff, hein, qui mettait déjà en exergue cette relation d'influence mutuelle entre les musiciens dans une création. Donc ça, c'est une partition que Cardew écrit de nouveau pour un ensemble, mais là, un nouvel ensemble, le Scratch Orchestra, qui était un principe ouvert à la création collective, hein, qui accueillait tout musicien, de formation ou non, hein, non-musicien, donc un collectif évolutif, hein, à géométrie variable. D'ailleurs, Kezro a une belle phrase pour expliquer finalement comment fonctionnait le Scratch Orchestra. Il dit « The Scratch Orchestra is the audience », hein, c'est vous, c'est le public, le Scratch Orchestra. Et puis, dans les années 70, le collectif va prendre une dimension plus politique, plus affirmée. Donc là, de nouveau, les enjeux sociaux qui ressurgissent, mais là, sous la bannière maoïste. Alors, je ne m'arrête pas trop sur cette période, peut-être qu'on pourra y revenir. Mais là, finalement, on retrouve cette vieille figure du leader abattu en brèche dans les années 60, hein, et qui était mise en question au début d'AMM, hein, avant la composition même finalement de Tiger's Man, et là qui ressurgit hein, dans la pensée du collectif. Hein, et d'ailleurs, une pensée du collectif qui, dès lors, hein, derrière cette bannière maoïste, se fait nettement plus rigide. Mais en même temps, elle est toujours extrêmement présente, cette pensée du collectif. Et même on pourrait dire qu'elle officie comme moteur. Parce que finalement, si on regarde le parcours de Cardew sur la longueur, il n'y a pas de rupture. Hein. On parle souvent de rupture de ce moment où Cardew va s'engager dans le maoïsme, où il condamne toutes ses compositions des années 60. D'ailleurs, on peut remarquer, il a écrit un texte comme ça, dans un pamphlet qui s'appelle Stockhausen, Serve Imperialism, dans lequel il critique quasi l'intégralité de ses pièces des années 60. Et d'ailleurs, étrangement, hein, Tiger's Man n'apparaît pas, hein, oublié, laissé à l'abandon, là, ou au contraire, n'est pas concerné par les critiques. On pourra peut-être y revenir aussi. Mais en tout cas, on parle souvent d'une rupture, là, dans l'œuvre de Cardew, et Cardew lui-même en parle comme ça, il parle de son big switch. En fait, peut-être qu'il s'agit moins d'une rupture, hein, qu'une continuité, où ce qui change, c'est pas tant l'intérêt pour le collectif, mais la manière de formuler cette pensée du collectif. Et là, d'ailleurs, on pourrait tracer un parallèle aussi avec Wittgenstein, où souvent, les critiques de Wittgenstein ont mis comme ça, c'est un moment de rupture dans l'œuvre, alors qu'en fait, c'est plutôt une continuité qui s'opère dans la philosophie de Wittgenstein, entre la première et la seconde philosophie. Et ce qui change, c'est simplement la méthodologie. Donc la formulation. Et là, c'est la même chose, d'une certaine manière, avec Carr. Alors, parmi toutes ces pièces que je viens de citer, la partition Tiger's Man apparaît tout à fait singulière, car elle se veut donc comme un canevas qui tâcherait de mettre en scène une pluralité de rapports possibles entre différents acteurs d'une création collective. Et chaque personnage, comme ça, est représenté par un ensemble de métaphores. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cette partition, c'est finalement les différents types de rapports d'affect entre les personnages, c'est-à-dire leurs relations. C'est pas tant les personnages qui sont intéressants que leurs relations. Au sens où les personnages peuvent s'enrichir les uns les autres, ou au contraire se détruire les uns les autres, ou se nuire. Ou pour dire les choses dans des termes spinozistes, on y trouve aussi bien des affects tristes que des affects joie, au sens où l'affect triste diminue la puissance d'agir de celui qui l'éprouve, alors que l'affect joie augmente sa puissance d'agir. Et bien sûr, ces relations fonctionnent selon un réseau relativement complexe. Hein. Je prends un exemple. Le vent diminue la puissance d'agir de l'arbre en emmenant au loin ses semences, alors qu'à l'inverse, et dans le même temps, hein, il augmente, donc là c'est plutôt de l'affect joie, en même temps, il augmente la puissance d'agir du tigre en transportant les odeurs et les sons et lui permettre ainsi d'être à l'affût. Ou on a aussi, par exemple, deux éléments réunis
peuvent être nuisibles à un personnage, alors que, pris séparément, ils sont bénéfiques. Hein. Par exemple, l'arbre et le vent réunis sont nuisibles à une, alors que l'arbre tout seul ou le vent tout seul sont plutôt bénéfiques à une. Donc là, on a des relations extrêmement complexes dans les rapports d'affect qui se jouent entre ces différents personnages. Alors, finalement, l'affect triste, regardez ces concepts spinozistes, l'affect triste et l'affect joie sont les deux pôles, si vous voulez, où l'individu évolue dans son rapport aux autres et dans son rapport au monde. Chaque protagoniste, d'ailleurs, évoluant dans la partition selon ses propres rapports, d'où la complexité de ses relations. Alors, il ne s'agit pas non plus de penser que c'est tout l'un ou tout l'autre. Par exemple, tel personnage serait nécessairement dans l'affect triste ou tel autre personnage serait nécessairement dans l'affect joie. Au contraire, la complexité des relations mises en œuvre dans Tiger's Mind souligne, et là je reprends l'interprétation de Deleuze sur la théorie des affects de Spinoza, souligne finalement la ligne mélodique de la variation continue constituée par l'affect. Et là, on est dans une métaphore musicale qu'utilise Deleuze, mais qui, à mon sens, cette ligne mélodique de la variation continue constituée par l'affect rend particulièrement bien compte de ce qui se joue dans cette partition. Et c'est bien ça, en effet, qu'on trouve à l'œuvre dans une création collective, au-delà de cette partition, et que celle-ci donc exemplifie particulièrement. C'est-à-dire qu'on est à milieu, par exemple, de ce que Earl Brown a appelé la synergie. Donc Earl Brown, un compositeur de l'école de New York, qui lui aussi va beaucoup s'intéresser à la création collective, donc à avant Cardew, c'est une autre génération qui va avoir une certaine influence sur Cardew, mais lui parle de synergie, c'est-à-dire d'individus œuvrant dans un même but. Alors que chez Cardew, les choses sont beaucoup plus complexes. Au contraire, dans tout collectif, les intérêts sont singuliers et multiples. C'est-à-dire qu'ils sont antagonistes, dissensuels, polémiques, se composent de compromis, tout comme ils peuvent aussi se nourrir les uns les autres, augmenter leur puissance réciproque dans leur rencontre. C'est-à-dire que le premier affect, l'affect triste, n'est pas forcément étranger à la manière dont peut aussi se révéler l'affect joie. Ça dépend des contextes et puis des adéquations entre les différents personnages. Donc là, on retrouve finalement l'intérêt de Cardew pour l'humain dans cette création collective. Et là, l'écart qu'il y a une nouvelle fois par rapport à Cage, et que soulignait d'ailleurs très bien Christian Wolff dans un article qui consacre à ces partitions de la fin des années 60 de Cardew, où, selon lui, même plus que dans Tweeties, là, c'est vraiment dans ces partitions en prose que Cardew s'émancipe de la pensée cagée. Donc, une création collective, c'est finalement un complexe de rapports d'affect. Et de ce point de vue, si Tweeties est une partition un peu plus wittgensteinienne, on pourrait presque dire que Tiger's Mind est une partition spinoziste. Alors là, c'est de la pure spéculation, parce que si Cardew cite énormément Wittgenstein dans ses écrits, il ne cite à aucun moment Spinoza. Je ne suis pas convaincu qu'il ait lu nécessairement Spinoza. Et puis aussi, j'ajoute un dernier point, pour finir dans l'introduction, que, bien entendu, ces rapports évoluent dans le temps. Ce n'est pas des choses figées. Alors, j'ai découpé, maintenant je vais rentrer un peu plus en profondeur, je vais resserrer la focale pour saisir ces relations. Et j'ai séparé ça en trois parties. La première que j'ai appelée responsivité active. Alors, je vais m'expliquer. Alors, vous l'aurez compris, pour saisir ce qui se joue dans une création collective, mais ici dans une improvisation, il faut peut-être moins s'intéresser à ce que chacun fait qu'à ce que chacun perçoit. Plutôt comment il perçoit, comment chaque individu perçoit, et quelle incidence cela a dans la création. C'est-à-dire, de nouveau, ses affects. Mais je quitte provisoirement Spinoza pour aller voir d'autres théories. C'est-à-dire que la création collective trouverait peut-être moins son fondement dans la contribution des singularités, dans le faire, dans l'action, ces singularités qui participent à ce collectif en devenir, que dans la perception même des singularités.
Et en l'occurrence, avec l'improvisation, dans l'écoute de ces différents acteurs, y compris le public. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il est intéressant de remarquer que dans la partition Tiger's Mind, aucun rôle n'est attribué au public. Mais je reviendrai peut-être sur ça. Donc peut-être que tout, finalement, tout serait une affaire d'écoute dans cette création. En sorte, quelque sorte, le collectif est mis sur écoute. Alors j'irai même plus loin dans mon postulat, en avançant que l'improvisateur, ou l'individu participant à une création collective, entrerait avec l'improvisation collective dans ce qu'on pourrait appeler une ronde d'écoute. Une ronde de l'écoute. Car cette écoute, les improvisateurs, les individus, eh bien, ils la partagent. C'est-à-dire que cette écoute, elle représente, en deçà de toute musique, hein, cette écoute, elle représente le dénominateur commun qui donnerait lieu à un jeu de miroir auditif, où l'improvisateur serait à l'écoute non seulement de la situation présente, mais à travers elle également, et en premier lieu dans l'improvisation collective, à l'écoute d'une écoute. Celle de ses partenaires, mais aussi celle du public. Finalement, on a affaire à une sorte de feedback auditif, si vous voulez. Chacun s'écoute écouter. Une écoute partagée, donc, hein, que les musiciens ne cessent de se renvoyer dans le jeu. Donc vous pourrez dire que l'improvisateur n'écouterait pas seulement la musique que les autres improvisateurs élaborent avec lui sur scène, il ne prêterait pas seulement attention à leurs gestes, hein, devenus sons, mais écouterait aussi, tout aussi paradoxal que ça puisse paraître, à travers cette écoute même, leur écoute, hein, et aussi son écoute. Alors, pour préciser de manière théorique là, cette écoute, qui à mon sens nous permet de saisir ce qui se trame dans la création collective, je voudrais convoquer la théorie de Michael Bakhtin dans sa manière d'envisager la réception d'un discours. Alors, petite précision avant sur ce théoricien, si tout le monde n'est pas familier avec sa théorie, c'est une théorie qui ne traite pas de l'improvisation, mais qui traite du rapport à la langue, et aussi de la création verbale. Bakhtin a écrit beaucoup d'ouvrages sur Dostoïevski, sur Rabelais, et puis il a aussi écrit un ouvrage qui s'appelle « Esthétique de la création verbale », que j'ai beaucoup convoqué ici. Alors, je pointe cette petite différence parce que finalement, la transposition de la théorie bakhtinienne dans ce qui nous concerne implique aussi certaines limites, puisque ce n'est pas de ça dont il parle au premier abord. Et je vais essayer d'éviter les amalgames là, entre musique et langue, mais en même temps, ici, l'improvisation collective n'est qu'un prétexte, qu'un exemple pour parler plus largement de la création collective. Puisque, en effet, ce recours à la théorie bakhtinienne me paraît particulièrement intéressant pour rendre compte de ce qui se trame dans cette création collective, hein, de cette écoute, hein, à la proposition même, à l'énoncé d'une proposition dans la création. Et d'ailleurs, on peut remarquer que si l'esthétique de Bakhtin ne concerne à aucun moment la musique, on peut observer que Bakhtin lui-même, pourtant, à l'inverse, hein, utilise abondamment dans ses écrits des métaphores musicales pour essayer de modéliser comment ça se passe dans une création collective. Il parle par exemple d'harmonie, de résonance, de polyphonie. Je reviendrai sur ces termes. Alors, cette écoute de l'improvisation à l'œuvre aussi bien chez les musiciens, ou en tout cas les acteurs de la création collective, que chez le public, pourrait être comprise, là on reprend une expression de Bakhtin, comme responsabilité active. Donc. C'est-à-dire qu'elle agirait sur ce qui est écouté. L'écoute agirait sur ce qui est écouté, précisément parce qu'elle relèverait également d'une interprétation niant toute passivité de l'écoute. Je vous cite un petit passage de l'esthétique de la création verbale. Bakhtin nous dit « L'auditeur qui reçoit et comprend la signification linguistique d'un discours adopte simultanément, par rapport à ce discours, une attitude responsive active. Il est en accord ou en désaccord, totalement ou partiellement. Il complète, il adapte, il s'apprête à exécuter, etc. Et cette attitude de l'auditeur est dès le tout début du discours, parfois dès le premier mot émis par le locuteur, en élaboration constante. »
durant tout le processus d'audition et de compréhension. Alors, s'il ne s'agit pas, dans le contexte qui nous importe, dans le cadre d'une création collective, musicale ou non, de forcément s'astreindre à ce rapport au sens, puisque c'est aussi une création collective, dans ce qui nous concerne, c'est aussi ce qui s'émancipe du sens, d'une certaine manière, en tout cas qui ne reste pas nécessairement ancré dans la compréhension en tant que telle, eh bien, on peut noter que cette responsabilité active souligne la part d'activité à l'œuvre dans l'écoute. Cette activité qui, dans la création collective, sera réfléchie sur ce qui est écouté. C'est-à-dire que l'improvisateur serait ainsi un auditeur qui, dans son écoute, répond déjà aux contributions de ses partenaires. Il les infléchit déjà dans son écoute. Et qu'il donnera à entendre, en retour, cet infléchissement dans sa contribution qui mêlera aux autres. Et même, quand bien même cet acteur, cet improvisateur serait le premier à entamer un son, à introduire l'improvisation, si vous voulez, le premier à formuler un énoncé, il serait toujours déjà un répondant, selon Bakhtin. Dès le départ, il y aurait par la responsabilité active de l'écoute improvisée un lien intrinsèque entre l'émission sonore proprement dite, ou dans le langage un énoncé, et l'écoute de la situation présente. Alors, j'ajoute que cette réponse peut être plus ou moins immédiate. Ce n'est pas l'immédiateté en tant que telle de la réponse qui confère une dimension active, si vous voulez. C'est pas parce que je réponds tout de suite que je suis dans l'action. Cette activité responsive est à l'œuvre dans l'écoute, que celle-ci se fasse entendre ou non. Et cette réponse peut être ainsi plus ou moins différée également, mais aussi plus ou moins muette. Et se traduire de différentes manières, différentes attitudes chez le public et chez les acteurs. Mais tôt ou tard, nous dit Bakhtin, ce qui a été entendu et compris de façon active trouvera un écho dans le discours ou le comportement subséquent de l'auditeur. Je passe à ma deuxième partie, qui va essayer de voir de manière, encore en resserrant la focale, l'agencement des énoncés, que j'ai intitulé « L'énoncé et ses influences constitutives ». Chaque énoncé, contribution musicale, si on est dans une improvisation collective, chaque énoncé serait ainsi, en tant que réponse première d'une écoute, un complexe qui vient participer à la création collective en soi, qui vient l'influencer, qui vient lui donner forme, qui vient l'orienter, qui vient finalement la constituer du dedans. Et là, je voudrais maintenant détailler l'épaisseur, parce que je parle de complexe, je voudrais... détailler l'épaisseur de cet énoncé par lequel s'élabore collectivement la création. Alors, pour caractériser l'énoncé sonore des contributions individuelles dans l'improvisation, on peut là, une nouvelle fois, paraphrasant Bakhtin, comprendre cet énoncé comme se tissant dans son élaboration même au sein de l'échange. Donc, je rappelle rapidement la définition que Bakhtin donne de l'énoncé. Qu'est-ce qu'un énoncé ? Un énoncé concret est un maillon dans la chaîne de l'échange verbal d'une sphère donnée. Les frontières de cet énoncé se déterminent par l'alternance des sujets parlants. Les énoncés ne sont pas indifférents les uns aux autres, et ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Ils se connaissent les uns les autres, se reflètent les uns les autres. Ce sont précisément ces reflets réciproques qui déterminent leur caractère. Un énoncé est rempli des échos et des rappels d'autres énoncés, auquel il est relié à l'intérieur d'une sphère commune de l'échange verbal. Un énoncé doit être considéré avant tout comme une réponse à des énoncés antérieurs, à l'intérieur d'une sphère donnée. Le mot « réponse », nous l'entendons ici au sens large. Il les réfute, les confirme, les complète, prend appui sur eux, les suppose connus, et d'une façon ou d'une autre, il compte avec eux. C'est même pas il compte sur eux, il compte avec eux. Alors, là... on voit bien comment Bakhtin insiste notamment sur l'influence avec les énoncés antérieurs. Alors là, je fais une typologie très rapide. C'est ce qu'on appelle, notamment Jacques Bray, un spécialiste de Bakhtin, appelle l'orientation interdiscursive. Donc ça, c'est le premier élément de la typologie, l'orientation interdiscursive du dialogisme, c'est-à-dire comment un énoncé actuel est influencé par des énoncés antérieurs. Qu'il traverse, les énoncés qu'il a écoutés.
Mais Bakhtin précise aussi que ce lien n'est pas seulement tendu vers l'antériorité. L'énoncé de l'improvisateur, par exemple, serait finalement un maillon au sens où il est pris des deux côtés. Il se tisse en rapport à la fois à ce qui est advenu dans le jeu et ce qui advient au moment où le musicien entame une séquence sonore, entame une contribution. Sinon, l'énoncé de l'acteur dans la création collective ne se situerait pas simplement en fin de chaîne, si vous voulez, réponse explicite aux contributions plus ou moins immédiates de ses partenaires, avec plus ou moins de retard, mais serait toujours inscrite au cœur même de la chaîne. Là, je vous cite de nouveau Bakhtin. Un énoncé, cependant, est relié non seulement au maillon qu'il précède, mais aussi à ceux qui lui succèdent dans la chaîne de l'échange verbal. Au moment où l'énoncé est en cours d'élaboration, les maillons, bien entendu, n'existent pas encore. Mais l'énoncé, dès son tout début, s'élabore en fonction de la réaction-réponse éventuelle, en vue de laquelle il s'élabore précisément. Les autres, qu'il souligne les autres, ceux pour qui l'énoncé s'élabore, comme nous l'avons déjà vu, jouent un rôle très grand. Les autres, ceux pour qui ma pensée devient, pour la première fois, une pensée réelle, et de ce fait réelle pour moi-même, ne sont pas des auditeurs passifs, mais des participants actifs de l'échange verbal. De manière similaire, là, ce qu'énonce l'improvisateur serait aussi, dès lors, aussi une adresse, hein, toujours, dans cette création. C'est-à-dire que la contribution est directement dirigée vers ceux avec qui il joue, mais selon dirigée, je pense. Enfin, forcément, nous, on appelle à réponse. Hein, comme je l'ai évoqué dans l'introduction, hein, ces rapports peuvent être aussi conflictuels. C'est-à-dire tendus vers une écoute. Mais à la différence là, de l'énoncé du langage de Bakhtin, celui d'une contribution dans une création collective, eh bien, n'est pas nécessairement en attente d'une réponse entendue dans l'ordre d'un dialogue. Parce que c'est là où finalement Bakhtin a ses limites, hein, pour rendre compte, c'est qu'on n'est pas forcément dans le cadre réifié là, du dialogue tel que le modélise ici Bakhtin. En plus, dans le cas où l'énoncé de l'improvisateur semblerait réclamer explicitement une réponse ou un accompagnement, un musicien avec qui il joue, eh bien, ces derniers peuvent aussi jouer d'attente. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière tout à fait singulière dans le jeu d'un musicien qui s'appelle Derek Bailey, hein, qui avait un rapport à l'improvisation très conflictuel et qui, dès qu'il sentait que le musicien avec qui il pouvait jouer, eh bien, attendait qu'il fasse quelque chose pour partir dans telle direction, etc., eh bien, il faisait exprès de retenir ou de ne pas aller là, ou de proposer autre chose, hein, et de faire patienter. Il prend, par exemple, l'exemple d'un duo avec un saxophoniste qui tient un son continu, très éprouvant physiquement, hein, une note très longue comme ça, et il sent bien que le musicien avec qui il joue voudrait qu'il parte sur autre chose pour enchaîner, etc. Et il fait exprès de mener jusqu'au bout, jusqu'à ses limites, ce musicien, pour que là, quelque chose puisse se créer dans l'attente même, si vous voulez. Hein, comment l'attente peut générer aussi du possible. Alors, là, finalement, on trouve le deuxième élément de la typologie que je vous propose, qui est l'orientation interlocutive, au sens où, finalement, un énoncé, qui se constitue en tant qu'adresse ou non, se trouve infléchi dans son contenu, dans sa durée même, d'une certaine manière, par anticipation. Des réponses possibles, d'autres. C'est-à-dire que l'autre, le partenaire, l'autre dans la création collective, eh bien, s'introduit dans le propre jeu du musicien, également à ce niveau-là, dans l'anticipation. Il se situe, par rapport à lui, dans le flux de l'action. Donc, à la fois des deux côtés des maillons, si vous voulez reprendre la métaphore de Bakhtin. Je remets un petit peu de musique.
J'en arrive à ma troisième et dernière partie, que j'ai intitulée la stratification dialogique. Donc, l'improvisation collective et par extension, encore une fois, la création collective, hein, à la différence de la manière dont l'analyse bakhtinienne rend compte du dialogue verbal, eh bien, ne saurait cependant être réduite à une alternance d'émissions sonores entre des individus. Elle se caractérise au contraire, la plupart du temps, par une multiplicité d'émissions dénoncées simultanées. Et cette simultanéité, ce temps commun de la performance, peut d'ailleurs être marqué aussi bien par un synchronisme que par un asynchronisme des contributions individuelles. Il paraît dès lors nécessaire là, de s'écarter un petit peu quand même de l'esthétique de Bakhtin, hein, qui inscrit l'énoncé, mais finalement aussi l'œuvre, hein, au sein de frontières extérieures précises, hein, tracées par l'alternance de l'échange. Et en même temps, ça dépend des ouvrages. Hein. Il existe aussi une certaine porosité hein, chez Bakhtin. Mais bon, je ne rentre pas dans le détail. Alors, une improvisation peut bien entendu prendre la forme d'un dialogue, mais elle l'emprunte aussi bien souvent pour mieux la trahir. Mais l'improvisateur, quoi qu'il en soit, n'écoute pas seulement les autres musiciens pour leur répondre ensuite. En tant que collectivité agissante, si vous voulez, puisqu'on l'a vu, hein, chaque individu serait lui-même une collectivité, eh bien, les différentes voix peuvent tout aussi bien se fondre de manière concomitante, converger vers une masse sonore, que diverger et s'écarter les unes des autres. Si l'alternance des discours peut se manifester dans une improvisation, eh bien, les frontières de leurs énoncés ne semblent pas aussi claires que dans une conversation. Et c'est sans doute là, finalement, que la comparaison ou le recours à un lexique proche de la linguistique apparaît toujours périlleux pour essayer de saisir ce qui se joue dans une création comme celle-ci. De plus, ces frontières ne pourraient pas clairement être délimitées dans le cas de l'improvisation collective, tant celle-ci cherche en général à se défaire du type de logique d'ensemble hein, au sein duquel il faudrait distinguer différentes voix, chacune amenant sa petite pierre à l'édifice. On est bien loin de ce genre de schéma qu'on peut néanmoins retrouver d'une certaine manière. Alors, les musiciens, en improvisant collectivement, se présentent ensemble dans un même temps, celui de la performance, mais peuvent s'y agencer aussi différemment. En réalité, il y a différentes temporalités au sein du même temps. Chaque voix y apparaît constitutive d'une polyphonie. Je vais revenir sur ce concept. Polyphonie qui peut tout autant être marquée par la divergence de plans séparés que se combiner sans fusionner, hein, se déployant selon un ensemble de vitesses relatives ou encore pour se proposer comme un tout où les différences de chacun finalement s'effacent au profit d'un seul ensemble. Hein. C'est ce qu'on entend notamment dans nombre d'improvisations d'AMM, hein, pour donner à entendre finalement une masse sonore. Subsumant les individualités réunies, mais en même temps où ça grouille, hein, où ça grouille de l'intérieur. Alors, petite parenthèse sur le terme de polyphonie, je vais y revenir dans la conclusion, mais je donne déjà quelques éléments ici. C'est un terme, du moins dans le sens où je l'emploie, que j'emprunte également à la théorie de Bakhtin, où la polyphonie se rapproche et se différencie à la fois du concept de dialogisme. Alors, certains commentateurs de Bakhtin utilisent les deux termes, hein, dialogisme et polyphonie, comme des synonymes, alors que d'autres insistent pour les différencier. Donc, c'est pas simple, là, mais en fait, les deux termes sont en réalité sans doute complémentaires, ça c'est ce qu'indique avec pertinence Ruth Amossi. Et Bakhtin utilise notamment la notion de polyphonie dans son livre sur Dostoïevski, afin de souligner la multiplicité des voix non hiérarchisées présentes dans les romans de l'écrivain russe. Je vous lis un petit passage. « Ce qui apparaît dans ses œuvres, donc celle de Dostoïevski, ce n'est pas la multiplicité de caractères et de destins, mais la pluralité des consciences équipolantes et de leur univers qui, sans fusionner, se combinent dans l'unité d'un événement donné. » Alors, tandis que finalement, dans le dialogisme, tandis que le dialogisme signifie que l'autre est constitutif de ma parole, c'est bien ça, hein, qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de voix qu'orchestre un locuteur, mais
On est face à un sujet parlant nécessairement traversé ou constamment traversé par le discours de l'autre, hein, qui n'existe pas indépendamment du discours de l'autre. Alors, moi, j'utilise le terme polyphénomé d'une part pour caractériser la non-hiérarchisation des différentes voix qu'elle suppose, donc là, c'est proche de Bakhtin, et qui s'accorde avec l'un des présupposés de la création collective, et d'autre part, afin d'insister sur la simultanéité des voix plurielles. Alors que si on en reste au dialogisme, en tout cas si on en reste au mode dialogal, eh bien, de l'échange, on peut perdre cette simultanéité. Alors, quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de laisser entendre que dans la position collective, dans une création collective, le musicien réagit simplement à ce qui se produit de manière immédiate. Là, c'est ce que j'évoquais déjà en introduction. La temporalité de la création collective est nettement plus complexe, elle est plurielle, hein, et on retrouve là, en élargissant sa compréhension, la pluralité temporelle, l'épaisseur conférée par Bakhtin à toute réponse dans son analyse de l'énoncé comme unité d'échange verbal. L'individu, qui apparaît toujours déjà comme un répondant, ne se contente pas de répondre à ce qui se joue simultanément aux autres acteurs, au public, à l'ambiance, en bref, aux spécificités de la situation, mais répond également aux expériences passées, à la multiplicité de ses écoutes antérieures, à sa recherche propre, à toute son expérience, à tout ce qu'il constitue en tant qu'individu, finalement. La création collective apparaît ainsi comme une stratification dialogique. On voit qu'il faut prendre les choses à différents niveaux. C'est-à-dire renvoyant aussi bien à la multiplicité des voix qu'au palimpseste singulier que forme chaque participant à la création. Donc chacun se trouve finalement toujours déjà précédé par une multiplicité de voix qu'il constitue et auxquelles ses énoncés répondent ou s'en font l'écho. C'est l'écho de ces voix qui nous traversent. Et puis, bien entendu, dès lors, chaque participant répond aussi à ses propres énoncés, à sa propre contribution à la création collective. Écoutant aussi, dans une certaine mesure, l'autre, sinon l'ensemble des énoncés, dans sa propre contribution. Donc là, j'en arrive au troisième élément de la typologie, à savoir l'orientation intralocutif, c'est-à-dire les rapports du dialogue entre le sujet et sa propre parole. Donc, on voit là que le dialogisme à l'œuvre dans une création collective apparaît particulièrement complexe, hein, ressortissant d'une articulation entre différents rapports d'interaction. On a l'orientation interdiscursive, donc l'influence antérieure, l'orientation interlocutive, l'influence par anticipation, ou encore l'orientation intralocutive, donc l'influence à soi. Et ajoutons d'ailleurs que les différentes orientations qui constituent moi ce que j'appelle la stratification dialogique de la création collective ne sont, tout comme les énoncés aux frontières poreuses, eh bien, ne sont pas distinctement séparées les unes des autres. Hein. Là, je les sépare dans l'analyse pour les préciser. Mais au contraire, ces orientations s'enchevêtrent, hein, s'agencent à chaque instant du jeu. Et de manière plus générale, ce qui se révèle, c'est l'importance de l'interaction. Mais là, il faut pas mal comprendre ce mot interaction. Interaction au sens de Bakhtin, comme on le voit. Interaction dans la création collective. Au sens où cette interaction va infléchir les énoncés de chaque participant. Donc les contributions individuelles se transforment mutuellement en permanence, sont engagées dans le même processus, et c'est dans l'entre-deux de leur relation d'influence réciproque que se crée finalement ce potentiel collectif. C'est bel et bien dans cet entre-deux. Il ne s'agit donc pas tant d'y saisir une multiplicité de voix séparées et indépendantes les unes des autres, que de prêter l'oreille à une multiplicité en interaction où les différentes voix stratifiées s'altèrent mutuellement. C'est-à-dire que la création apparaît comme le produit multiplanaire de cette interaction, agissant à différents niveaux, sur différents plans, plus ou moins audibles. Et ce plus ou moins audible est important, puisque là, je reviens brièvement à Bakhtin, qui insiste pour nous dire que, je vous le cite, « un énoncé est sillonné
par la résonance lointaine et à peine audible de l'alternance des sujets parlants et par les harmoniques dialogiques, par les frontières atténuées à l'extrême entre les énoncés, totalement perméables à l'expression de l'auteur. On a bien ces harmonies, ces résonances, hein, ces rémanences des énoncés antérieurs qui viennent moduler la création à l'œuvre elle-même. Donc là, c'est toujours la même chose, hein, d'une certaine manière. C'est toujours quelles que soient les circonstances, c'est toujours finalement la figure du sujet, du locuteur, comme déjà répondant. Alors, pour apporter, d'ailleurs, le sujet répondant, qui là renvoie à une dimension anthropologique du langage, hein, et on pourrait tracer des liens intéressants là entre l'esthétique de Bakhtin et puis la seconde philosophie de Wittgenstein. Mais je ne m'arrête pas sur ça. Si on veut rapporter ça à l'improvisation et à la création collective, on peut dire que l'individu improvise également donc dans les sons des autres, à travers eux, car c'est dans l'expérience que se construit le sujet improvisateur. Alors, ça ne revient pas à dire que l'improvisateur ne serait que le vecteur passif des sons d'autrui, hein, comme un simple relais ou un point de passage, mais plutôt qu'il serait, d'une certaine manière, joué autant qu'il joue. En tant que singularité, il n'est alors, d'une certaine manière, que ce filtre hein, qui, dans son expérience, altère les propositions d'autrui, leur donne cet infléchissement non reproductif. Et reconnaître la part d'expérience ne revient pas à nier la singularité agissante de l'individu. Bien au contraire, hein, l'improvisateur, le participant à une création collective, serait à la fois à comprendre comme un être singulier et un être rempli des sons des autres. Hein. Et ça, c'est précisément ce que souligne notamment Maurizio Lazzarato, qui a beaucoup commenté l'œuvre de Bakhtin, hein, où il nous dit ce rapport, donc une relation événementielle, qui est productif, enrichissant, excédentaire, ce qui constitue l'être, ce n'est donc ni moi ni l'autre à proprement parler, on n'est pas dans les entités, mais la relation événementielle qui précède ses propres termes. Ça, c'est ce qu'on retrouve aussi, par exemple, chez explicité bien avant, chez Zvetan Todorov, qui était un des premiers commentateurs de Bakhtin, hein, Todorov du groupe Tel Quel, qui l'explicite dans sa préface à l'esthétique de la création verbale de Bakhtin. Je vous le cite, là aussi. Il dit « L'autre est donc à la fois constitutif de l'être et foncièrement asymétrique par rapport à lui. » Il s'agit de ne pas oublier le deuxième élément. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent. En effet, l'autre est constitutif de l'être. Mais il faut penser aussi qu'il est foncièrement asymétrique en même temps par rapport à lui. C'est-à-dire que la pluralité des hommes trouve son sens non dans une multiplication quantitative des jeux, dit Todorov, mais dans ce que chacun est le complément nécessaire de l'autre. Alors, il faut en plus préciser que cette dimension du dialogisme, hein, qui joue en toile de fond dans la création collective, ne se manifeste pas nécessairement de manière évidente dans l'action. Mais elle agit davantage de manière souterraine, constituant en profondeur le jeu de chacun. Ça, c'est ce que rappelle notamment Ruth Amossi, c'est que le dialogisme bakhtinien, là je l'explicite, mais n'est pas le lieu où le locuteur prend la responsabilité de ses énoncés en se positionnant consciemment, si vous voulez, au point de en se positionnant consciemment par rapport au point de vue antérieur, au point de vue des partenaires de la création. Mais plutôt, il se ferait c'est véritablement ça, on se ferait un chemin dans une jungle, il se ferait une voie dans le déjà-dit au gré d'un mouvement qui échappe partiellement à sa claire conscience. Il n'est pas le lieu des décisions et des prises de position élaborées dans un dialogue pleinement assumé avec l'autre, mais celui où une parole individuelle s'élabore dans le milieu verbal de sa culture. Donc ça, c'est ce que nous dit Amos. Alors, j'en viens à ma conclusion. Que j'ai appelé, justement, donc vous voyez vers où ça tend, c'est vers cet antre, hein, finalement, que j'ai appelé l'antre de la polyphonie. L'antre à la fois comme l'intervalle, et puis en jouant sur l'homonymie, on pourrait dire l'antre, là, c'est la crypte, hein, la crypte d'AMM qu'on a écouté. Donc, Bakhtin note à propos des romans de Dostoïevski, dernière citation, il nous dit « Le roman de Dostoïevski est construit non pas comme l'unité d'une seule conscience qui aurait absorbé tel des objets d'autres consciences,
mais comme l'unité d'interaction de conscience multiple dont aucune n'est devenue complètement objet pour l'autre. Dans un sens similaire, eh bien, on pourrait dire que la création collective, et notamment l'improvisation, ne chercherait jamais véritablement à tendre vers sa résolution unificatrice, vers un tout monologique, achevé et fermé sur lui-même. Les différentes voies qui constituent une création collective peuvent aussi bien se mêler les unes aux autres, jusqu'à pratiquement se fondre, que diverger dans leurs distinctions, mais elles ne cherchent, quelle que soit la manière dont elles s'articulent ensemble, ni une solution, ni forcément rendre compte d'un tout homogène. D'un tout homogène dans leur cours comme dans leur achèvement. Donc, la polyphonie, il ne faut pas mal comprendre ce qui se joue à travers ce concept ici. La polyphonie n'est pas synonyme d'un divers harmonisé en plusieurs voix. Mais au contraire, dans la polyphonie, peut se profiler, la polyphonie elle-même se profile à travers des heurts, des mouvements obliques, des écarts tendus entre les différents individus. C'est-à-dire un réseau de relations où l'hétéronomie rivalise avec l'autonomie, la divergence avec la convergence, ou encore le consensus avec le dissensus. S'apparentant, in fine, à un relief accidenté qui émerge de l'émancipation réciproque des différentes voies. Et peut-être même qu'on peut aller plus loin, de nouveau, là, dans un sens spinoziste des affects, où ce sont moins les voix et les individus qui comptent que les relations elles-mêmes. C'est bien cet entre qui est en jeu. Et chez Spinoza, c'est bien ça aussi qui est à l'œuvre. Il s'agit toujours plus de rapports d'affects que de rapports d'affects qui se composent, en joie ou en tristesse, que d'entités affectées. C'est moins les entités affectées qui comptent que les rapports d'affects qui se composent. Donc, en ce sens, les différentes voies de la création collective peuvent apparaître comme autant de centres, si vous voulez, pour l'action qui se joue, une multiplicité de pôles d'attraction avec leur propre zone d'influence. Et on pourrait dire que, en réalité, ces centres, même lorsqu'ils sont localisables en tant que tels, par exemple tel individu serait un tel centre, ou tel dispositif de jeu serait un tel centre, eh bien, finalement, ces centres s'effacent dans le jeu au profit des relations qu'ils entretiennent entre eux. Et on peut d'ailleurs souligner là, une nouvelle fois, et à mon sens, la manière dont est construite la partition elle-même est extrêmement importante dans Tigerman, on peut souligner une nouvelle fois la manière dont Cardew dans Tiger's Mind, portraitise ses différents protagonistes, hein, principalement toujours par des relations qui lient les protagonistes les uns aux autres, ou les séparent les uns des autres. Donc il s'intéresse plus, alors il n'y a pas que des relations, mais il s'intéresse plus aux relations qu'aux caractéristiques propres. Pour prendre un exemple, hein, Ami talonne le tigre en le tenant par la queue. Donc là, on a vraiment une relation où le tigre dépend du vent pour se repérer ou s'orienter, où l'arbre dépend du soleil, hein, pourtant l'arbre est insensible, mais il dépend, apparemment insensible, mais il dépend des stimuli du vent et du soleil. Donc c'est toujours les relations, hein, ces relations d'affect qui sont mises en avant. Car en effet, la création qui émane du collectif est une création qui prend corps entre les acteurs, y compris le public, hein, le public est un acteur, si public il y a. Donc entre les corps des individus réunis, dans l'antre de leur écoute, si vous voulez, c'est-à-dire dans l'antre de leur responsabilité active. C'est-à-dire que la création serait collective au sens où, tissée par cet antre, elle crée, elle forme, elle dispose, à partir de la multiplicité agissante, un espace en mouvement, mais en même temps commun. J'arrête ici et je mets un dernier extrait. Thank you.
Merci beaucoup, merci.